Il était une fois, dans un village nommé Racine, des gens fiers, des gens solidaires. Dans leur sagesse, ils avaient appris qu'on ne transplante pas les vieux arbres. On les jardine sur place. On les préserve du vent et du froid. On les entoure. Pour profiter longtemps de leur ombrage, de leur maturité et de leur histoire. Ici, j'ai un bon confort d'amitié. Hein. C'est familial. C'est toutes des grands sœurs et des grands frères. C'est pas pour la pièce que ça marche la famille. J'aime les repas. Les repas et les rencontres à table. Le ciel sur la terre, j'appelle ça même. C'est une première au Québec. La façon qu'ils le vivent, ça va passer à l'histoire. On s'est fait dire, pourquoi à Racine, vous ne faites pas comme tout le monde, vos vieux, dompez-les en ville. Alors nous, on dit non. Non, on veut que les gens restent chez eux. On ne veut pas déraciner les vieux arbres parce qu'ils ont vécu toute leur vie dans cet environnement. Ils connaissent leur monde, leurs ressources. Ils savent où se trouve tout. Leurs amis, leurs parents sont là. Ils veulent rester là. Dans le monde des coopératives d'habitation, il n'existait pas de coopérative pour les aînés de 75 ans et plus. Alors, on a formé une coopérative en disant « ils sont capables ». Et les lois ont changé tout de suite après, et les coopératives d'habitation sont devenues aptes à faire de l'habitation pour les 75 ans et plus. Alors, la coopérative de solidarité, c'est les vieux de la maison qui disent « écoute, nous, on veut garder le contrôle sur la maison, on est capable, mais on se donne le droit d'aller chercher des ressources pour se faire aider. » Jetez un coup d'œil à Gaston qui essaye de faire comme vous autres. Oh, ben. Je m'en ai plus peureux qu'en vieillissant. Là. Puis, là, ben, ma sœur était là, puis ici, ben, ça commence à me tenter de m'en venir ici. C'est Madame Berthe qui triche, là. Mais son pied, ça ne s'en pas. Mais son pied, ça chaise. Regarde la. Je voyais ce côté-ci que ça valait. Ça grouillait. Il y avait du plaisir, je les entendais rire de chez nous. Le soir, l'été, là, ils s'assoyaient dehors, je les entendais rire. J'ai dit, bon, moi, je suis là, tout seul chez nous. Puis ça a bien donné, ça s'est libéré ici. Là. J'ai une des plus belles places, parce que j'ai deux côtés pour voir. Quand on est curieux, c'est ça. Ouais, je pense que c'est Florence, etc. Je connais pas tout. Je vois pas en pleine face. Je regarde arriver le monde. Ça me dit, ça me guide pour savoir quand partir. Mon mari est mort à 89 ans, accidentellement. Ça fait que là, il a fallu que je vende la maison. Hein. Et puis, je suis arrivée ici, d'où j'étais née.
J'ai pris un petit peu de temps à m'habituer, hein, parce que laisser sa maison, là, c'est dur. Je suis bien d'accord avec toi. Être à la même table, c'est sûr que tu as l'occasion, en tout cas. Tu as une occasion, deux fois par jour, tu sais, d'échanger. On a tout du vécu, là, puis des fois, on compte des choses qui sont pas mal intéressantes. D'autres fois, c'est plus triste. Hein. Puis dans nos vies, ça n'a pas toujours été juste la gaieté, là. Ouais. Nos enfants nous avaient dit « Placez-vous donc avec qu'on vous place. » Parce qu'il n'y avait pas d'air intéressé à nous placer. Ça fait qu'on est approche, puis cette maison-là, ici, on l'a vu bâtir, puis ça fait partie de notre paroisse. J'ai jamais changé de place, j'ai toujours été ici. J'aurais peut-être bien pas été dans une autre maison qu'ici. Je parle à tout le monde, je les connais toutes. C'est tous des frères et des sœurs, je les ai toutes connues, tu sais. Depuis que je suis jeune, que ce monde-là, je les ai... Ils sont avec moi, à la tour de moi. La racine, on prend des racines, on reste là. Le plus important au niveau d'une municipalité, c'est le bien-être de ses citoyens. Puis la Brunande, ça, je pense que ça l'a amené beaucoup de sécurité, si on veut, aux résidents. Puis quand que les résidents qui sont ici, ils ont une sécurité, ils se sentent bien, bien ça s'en va vers les familles, les enfants, les. Ça se répartit dans la municipalité. Là. La première implication, c'est qu'on avait donné une subvention de 20 000 $ à l'organisme pour, en principe, l'aménagement du terrain. Ensuite, on avait donné un terrain qui est au bout ici, un petit bout, une parcelle de terrain pour faciliter l'implantation de la bâtisse, de la résidence. Puis on avait aussi participé là, au niveau là, d'accès logis pour une subvention. Là, la municipalité paye 10 % du logis qui est subventionné. J'ai 14 petits-enfants, puis j'ai 16 arrière-petits-enfants. Ouais. En tout cas, c'est des beaux souvenirs qu'on garde. Hein. Moi, j'aime ça. Je suis traîneuse, hein. Je dis en rêve et bouille de lait. Ça fait 13 ans, là, le 25. Ah oui, nous autres ici, là. On peut pas demander mieux. Ça, c'était tout notre terrain, ça. Puis ça en a viré jusqu'au rond de village, le terrain par ici. C'est un avion qui est passé, puis on nous a posé. Après ça, ils nous ont vendu le cadre. Ça, c'est mon mari et moi, avec quand on s'est mariés. Moi, j'ai une belle vue, je suis heureux de chemin. Il passe des autos, le réparateur d'auto, il est là. Ma fille qui est là, les cousines de Nina par là. Ah, ouais. Puis ici, c'est plein de. Des disques, là, que c'est la musique là-bas, en arrière de vous. C'est des disques, puis des. Ouais. Des photos. Des photos de mes grands-pères, grands-mères, puis toute la famille, là. Ouais. Il y en a de ça. Les morts sont un coin, là. On est ensemble. Les morts qu'on connaît, là. Une change de ligne. J'ai des grands-sœurs qui m'aident en bas. Tu sais, j'ai le contrôle des laveuses, ces affaires-là. Là. J'ai pas de ben du trou, tu sais, j'ai pas ça. Ça... J'ai du fun. Ça. Je suis pas mal mieux que si je serais tout seul à ma maison de l'autre bord, là. Beaucoup. Je suis bien... Je suis content d'être ici parce que ça frappe bien mal brûlé au bord. Quand ça donne, les petites jambines, là, je fais ça. C'est le fun. Ça passe le temps, puis j'ai beaucoup. C'est ma vie réparée. Tu sais, j'avais un garage, puis
J'ai fait ça, puis j'ai tout fait un peu de mécanique, puis des autres, tu sais. J'ai un peu de difficulté à me placer à table. Il y en a deux, trois qui sont là pour m'aider. Des fois, je dis, moi, bon, t'as essayé de me débrouiller seule, là. Hein. Mais elles sont... Je peux dire que les personnes sont très gentilles. Ben oui. Écoute, il y a tout ça quand même. Mais tu sais, on a toutes eu des vies quand même là, où on a travaillé, hein? La coopération est un antidote au vieillissement. Je trouve que tu as raison, Élise, quand tu dis on a économisé nous autres. Ben, écoute, aujourd'hui, tout ça. Et je pense que c'est profondément vrai. La mise en œuvre des capacités, de tout ce qu'on peut faire pour vivre en société, ça fait que t'as pas l'impression de vieillir. Qui t'a pas fait sa job comme il faut, là? Oh, arrête de faire le... La bosse? La bosse, là? Ah, ça prend un boss. Efface l'aile. Non. Il n'y a pas de grand boss, c'est là, là. C'est pas comme... quand c'est bien organisé, les grosses maisons, là, tu sais, c'est assez sévère, tu sais, les autorités. Il y a des autorités pas mal plus sévères que ça, tu sais. On ne nous dit pas qu'il y a ça à faire. Là. Tu sais, tu vois, tu regardes, qu'est-ce que tu peux faire. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvée. Moi, je trouvais ça que c'était intéressant pour les gens ici que j'aille au conseil municipal puis que je rapporte ça. Ah, oui. Qu'est-ce que je fais d'autre, moi, ici? Là? Ben, le jardin. Et nous autres, il y a quelqu'un qui met les herbes. S'il y a quelqu'un qui ne file pas, ben, oui. Tu vas aussi être capable d'aller aider quelqu'un qui ne file pas. Là. Oui, moi je suis bonne. Tu fais ça aussi. Le soir, je fais ma tournée. Entre 9h30 puis 10h30, là. Bon, là, c'est sérieux, là. Je m'habille, puis je mets un coat, puis je prends le passage, puis je fais la cuisine. C'est de regarder les portes, elles sont bourrées, il y a des lumières allumées. Allume ça l'été pour les chaussées qui restent ouvertes. Il faut que tu fermes les chaussées la nuit, on laisse pas les chaussées ouvertes. La forme coopérative, ça améliore la qualité de vie. Ça prolonge l'autonomie. Ça éloigne la maltraitance. C'est le talent de chacun au service de tous. Monsieur Jourdain, bonjour. Pas juste des vieux qui pensent à mourir, c'est des vieux qui font partie d'un groupe humain en marche. Ils sont vraiment bien intégrés. C'est l'implication profonde dans une société qu'ils veulent un peu à leur image, selon leurs désirs. Et ça crée, évidemment, c'est pas toujours parfait, là. C'est pas toujours parfait parce que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, il y a de la fabrique. Alors, mais c'est que cette espèce de réseautage crée beaucoup de tolérance et de sagesse. On a une salle du conseil d'administration ici, là, une belle petite salle. Puis les gens de Racine ont pris l'habitude de toujours faire leur réunion ici, dans la Brunante. Alors que la Brunante, c'est l'endroit du village où il se prend le plus de décisions. Et les gens de la maison ici sont en contact continuellement avec les décideurs. Et souvent, ils appartiennent au groupe. Alors donc, nous faisons partie intégrante du village. Je regarde les chanteurs des fois, là, puis il y en a qui me touchent. Voyez-vous, c'est beau, Jacques!
C'est pas tout le monde qui va bien ici, là. Il y a des gens qui ont vraiment des fins de vie difficiles. Ou parce que leurs enfants sont pas là, ou qu'ils n'en ont pas. Ou que toujours à revenir à l'angoisse de mourir, finalement. Là, c'est évident. Ça, là, quand on est rendu là dans la vie, là, ça prend l'affection des autres, si je peux dire. Sinon, c'est la solitude, là. Les gens qui viennent ici, je pense qu'il y a mieux voir tout ce qui reste à vivre en contact avec les autres. La Brunante, c'est le vent du soir qui tombe. C'est le bonsoir au soleil, chanté par les oiseaux. C'est le temps de regarder l'ouvrage de la journée. C'est le temps de penser aux enfants. C'est le repos bien mérité. C'est le moment de fleurir son intérieur. C'est toute la soirée devant nous. C'est le temps de prendre le temps. C'est le temps de dire merci, la vie. Depuis que je suis rendue vieille, on dirait que je m'embellis. Bien, ici, j'ai pas raison de me choquer, de me fâcher. Hein. Puis je pense que ça peut aider, ça.